Franchement, je tenais à venir à cette conférence-là. Ça me tenait à cœur. Tu es passé à mon magasin quand tu es arrivé à Abidjan. Je suis sortie de nulle part grâce à toi aujourd'hui. Je suis connue dans le monde entier. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire pour te dire merci. Franchement, maman, tu es venue, tu m'as relevée. Je t'ai vraiment couchée, mais tu m'as relevée. Tu m'as relevée. Je suis sortie de nulle part. Tu es venue aujourd'hui. Tu as mis la joie dans mon cœur, maman Lady Sonia. Vous êtes fatigué. Est-ce que vous êtes fatigué? Allez, c'est coach Lady Sonia. C'est coach Lady Sonia. Tu pries s'il vous plaît. Les mouchoirs, s'il vous plaît, les mouchoirs. Les mouchoirs, les mouchoirs. Les mouchoirs, les mouchoirs, les mouchoirs. Merci Didier, merci à tous. Merci Didier, merci. Si c'est ta meilleure amie qui t'a trahi, qui est sortie avec ton mari, ou si ce sont des promesses qu'il t'avait faites et qu'il n'a pas tenues, il avait juré, l'homme de ta vie t'a failli, t'a trahi, t'a laissé tomber. Ce chef a osé, cette collègue a osé, dans le quartier, ou peut-être que tu as été violée par un oncle, par un père. Peut-être que tu as été violée. Personne ne s'occupe de toi. Je veux que tu parles à cette personne. Je suis venue te demander pardon au nom de cette personne. Parce qu'il y a des excuses qui ne viendront pas. Mais tu dois avancer. Je t'en prie. Tu vas faire un geste de jeter ce qui est dans ce cœur-là, quelque part ici. Tu veux sortir d'ici libre, épanouie, influente. Alors tu vas fermer les yeux et tu vas dire, je pardonne. Bonjour, je suis Queen Grace et je fais LEI 7. Voilà, j'aimerais dire que j'aime vraiment la coach Sonia. Elle m'a beaucoup apporté. Voilà, j'ai été à sa première conférence et je suis là encore. Toutes les fois qu'elle viendra, je ferai tout, voilà, pour y être. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui booste les femmes, voilà, qui nous apporte de grandes choses. Et voilà, on avance avec elle. Donc, que Dieu continue de la bénir. Et puis, gros gros bisous. Je te kiffe, je te love. Bisous. Bon, mon frère, c'est l'instant de vérité. Tu as fait au bas quand j'étais de l'autre côté là. Maintenant, voilà, ça est posé. Ah oui, j'ai enlevé les chaussures. Je suis prête pour toi. Yes! Mais en tout cas, j'ai adoré d'être là ce soir. Tata Lady, Sonia, je t'aime. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Ah, en tout cas, je sais pas. Je suis très contente d'être là ce soir. Merci. Bon, quand j'avais 23 ans, l'année passée, j'étais fiancée. Et à 2 mois de notre mariage, ma meilleure amie est tombée enceinte de mon fiancé. Donc... Hey! Ouais! 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 Je suis mouru, ouais. Quoi? Viens t'asseoir. Eh, regarde-moi ça, donc tu pleures pour un maboule? Une pourriture comme ça, Dieu t'a libéré avant le mariage. Un homme qui... Oh, attends, je vais parler, oh. J'ai dit, tu étais sur le... tu étais sur le point d'épouser un maboule, hypothéquer ta vie. J'ai dit, hey, ma fille, je veux pas que tu rentres dedans. Je vais te libérer. Je vais te dévoiler le gars. On te dévoile le gars, tu es en train de pleurer. Oh! Mais j'ai dit, applaudis pour ton Dieu. Et j'avoue que c'est surprenant, c'est transformateur. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de choses qu'on découvre le jour de la conférence qui nous permet d'enlever les écailles des yeux et de prendre de bonnes résolutions. À cette étape de l'année, à cette période de l'année, c'était la seule conférence à ne pas rater.
Quand je pense à mon passé. Chante! Il y en a qui ont dit je ne peux pas. Qu'en vérité, moi je viens de loin. Ma vie est une bénédiction. Hey! Jamais. Moi, ma vie est une bénédiction. Les bouchons de la victoire, il y a. Ma vie a changé, oh. Il y a les léos, je suis triomphé, oh. Chantez. Il y a les léos, ma vie a changé, oh. Il y a les léos, je suis triomphé, oh. J'étais dans l'obscurité, on m'a refusé une ampoule. Aujourd'hui, grâce à Dieu. C'est pas une prétention, ma vie est une bénédiction.